Green Sally down, last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, a Green Sally down, last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, a Green Sally down, last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, a Green Sally down, last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, a Green Sally down, last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, a Green Sally down, last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, a Green Sally down, last gun start, gotta tell the crown. Green Sally up, a Green Sally down, last gun start, gotta tell the crown. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me here to weep and moan. We'll be right back.
premier essai de mise en place du plateau. Donc le nez de broche est enduit avec du bleu de mécanicien. Et vous constaterez que sur le plateau, seulement l'entrée est colorée en bleu après mise en place. Donc ça veut dire que ça a tendance à toucher là d'abord. Donc on a plutôt un angle qui serait trop fermé. Ce qui fait que ça se sent à la mise en position, hein, que ça flotte un peu et qu'on arrive à balader en fait cette partie-là. Ouais. Donc je vais vérifier légèrement par mesure et commencer à corriger légèrement l'angle. J'avais laissé 5 dixièmes au diamètre justement d'excédent pour reprendre. Et on va ajuster comme ça au fur et à mesure en modifiant l'angle et en représentant et revérifiant le faciès de contact. Et la deuxième essai avec un angle de 7 degrés 125 au lieu de 7 degrés 1, c'est nettement mieux. Alors c'est pas tout à fait flagrant parce que d'une, le bleu a un peu séché, et de deux, la surface n'est pas du tout exceptionnelle à l'intérieur, il va falloir que je finisse par le reprendre au papier de verre pour avoir quelque chose de vraiment lisse. Mais on en voit en haut du cône, en bas du cône. Donc ça veut dire que, voilà, non, c'est un peu plus apparent ici, ça veut dire que l'angle est adapté. Donc là, je vais refaire une petite passe pour arriver à la profondeur souhaitée, parce que j'avais laissé un petit peu de matière, de manière à ce que le cône s'assemble le plus possible vers la bride ici. Et puis surtout, je vais faire une forme dégagée à l'intérieur, autrement dit, de manière à ce que ça contacte seulement sur deux bandes. Ça se voit à peu près ici, là, sur le nez de broche. C'est-à-dire qu'il y a une bande ici, une bande là, où c'est un petit peu plus corrodé ou sale, et ici, c'est tout à fait neuf. Donc c'est vraiment fait de manière à avoir un contact sur deux anneaux plutôt que tout le cône, ce qui est à peu près impossible à moins que ce soit rectifié dans les tolérances très précises. Ça permet d'avoir un contact plus stable, on n'est pas hyper statique, et ça évitera que le faux plateau se balade un petit peu, orbite sur un cône instable. Voilà. Honey, come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Sometime. Yeah.
my honey come back. Lay down, down. Tell 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 my honey come back. Lay down, down. Sometimes. Tell my honey come back. Sometimes I'm on a red bike jack. Sometimes I get a hump in my back. Sometimes I'm going to move. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I get a hop in my back. Sometimes I'm going over here. Sometimes, get my honey come back. Sometimes I'm gonna rap back, yeah. Sometimes I get a hop in my back. Sometimes I'm going over here. Sometimes, get my honey come back. Sometimes I'm gonna rap.
sometimes I get a hump in my back.